Et salut tout le monde, c'est Farage et bienvenue dans ce nouvel épisode de Final Fantasy VI où nous partons vers le QG de la Résistance. C'est parti! Enfin, je crois que nous y allons en tout cas. Repère de la Résistance, oui. Votre Majesté, par ici je vous prie. Attendez, je veux visiter et vous dépouiller moi. Mais voilà. Attends, hein. D'abord, je veux vous dépouiller. Qu'est-ce qu'il y a par là? Avez-vous parlé à Bannon? Oh, s'en fout, il a dit que je pouvais vous dépouiller avant. Une queue de phénix, c'est très bien. C'est marrant parce qu'il y a un B, donc là on pourrait dire que ce pourrait être pour Bannon. Mais dans le lit d'Edgar, il me semble, il y avait aussi un B. Bizarre. Ouais, ce serait intéressant d'en acheter quelques-unes quand même. Hein. Si j'en prends 99, combien ça me coûterait? Ah, attendez, ce qu'on va faire. Il doit sûrement y avoir un magasin d'armes et d'armures ici. Alors, on va d'abord aller voir pour acheter les armes et les armures. S'il y en a. Et ensuite, on reviendra avec l'argent qui reste acheter des objets de soins. Mais je pense que c'est plus important d'avoir armes et armures. Enfin, les deux sont importants à ce stade du jeu, vous me direz, mais bon. Alors, un point de sauvegarde, pour l'instant j'en ai pas besoin. Le coffre en revanche. Une potion plus, c'est très bien. Bannon, voici la jeune fille dont nous avions parlé. Oula, t'as une tête toi mon gars. Alors, c'est à elle que la chimère a réagi. La chimère? Il semble que l'Empire contrôlait son esprit. Oui, j'avais reçu un message à ce sujet par Pigeon Voyageur. On raconte aussi qu'elle a calciné 50 soldats de l'Empire en quelques minutes. Non, je... Terra, ne soyez pas cruelle, Bannon. Elle ne se souvient de rien. Elle ne peut pas s'échapper à la vérité. Laissez-moi vous raconter une histoire. Vous l'avez sans doute déjà entendue. Il y a de cela longtemps, quand l'homme était encore pur et innocent, il existait une boîte qu'il était interdit d'ouvrir. Un jour, pourtant, quelqu'un ouvrit la boîte et libéra ainsi tous les grands fléaux du monde. L'orgueil, l'envie, l'avarice, la colère. Au fond de la boîte, il ne resta plus qu'un seul rayon de lumière, l'espoir. Quoi qu'il arrive, sache que tes pouvoirs sont un don du ciel et non une malédiction. Tu es notre rayon de lumière, le dernier espoir de ce monde. Bannon. La fatigue m'accable. Laissez-moi aller me reposer. Bon, très bien. J'ai perdu quelqu'un qui m'était cher à cause de l'Empire. Si nous laissons ces soldats agir à leur guise, d'autres gens souffriront. C'est pour cette raison que j'ai rejoint la Résistance. Moi, je n'ai pas d'être cher, je n'ai pas de famille, pas d'amis. Ne dis pas ça. Il doit y avoir des gens quelque part qui tiennent beaucoup à toi. Nous devons aussi nous battre pour eux. Bon. Oh, cette musique, franchement. Je sais que je vais vous le dire à chaque fois, mais j'adore cette musique. Ayez le courage de vous joindre à nous. Oh oui, je pense que je l'aurai, mais en ce moment, je profite de la musique. Non, pas de passage secret? Non. Parfait! Thank you.
Je ne sais pas quoi te dire, mais j'ai totalement confiance en mon frère. Depuis notre naissance, il s'est toujours soucié de moi. Tu peux te fier à lui, toi aussi. Mais ne va pas lui dire tout ce que je t'ai raconté, hein, ce serait embarrassant. Je sais que nous demandons beaucoup de toi. Si nous te forcions à nous aider, nous ne ferions qu'agir comme le fait l'Empire. C'est pourquoi nous voulons que tu prennes toi-même une décision. Il est où, Bannon? Ah mais... Bannon, il vient tout juste de sortir. As-tu pris ta décision? Seras-tu notre rayon d'espoir? Non, non, je vais rejoindre l'Empire. Vraiment? Tu acceptes? Mais... j'ai peur. Il est tout à fait normal d'avoir des doutes. Terra, j'aimerais que tu acceptes ceci. Qu'est-ce que c'est? Un porte-bonheur qui te protégera. Tiens. J'ai une idée. Allons rejoindre les autres. Bien. Comme vous le savez déjà, l'Empire utilise la technologie Magitech. Mais comment ont-ils développé cette technologie? J'ai demandé à Log d'enquêter à ce sujet. On dirait que l'Empire a rassemblé des savants du monde entier pour étudier les chimères. Il a aussi attaqué Narge pour s'emparer de celle qui se trouve là-bas. Vous croyez qu'il y a un lien entre la technologie Magitech et les chimères? La technologie Magitech et les chimères, une seule chose me vient à l'esprit. La guerre des Magis. Exactement. Non, c'est impossible. Ma grand-mère me racontait des histoires à ce sujet avant que je m'endorme. Elles étaient donc vraies. Une telle tragédie pourrait-elle se reproduire? Je ne sais pas. La guerre des Magis a eu lieu il y a 1000 ans et les historiens ne s'accordent pas. Certains racontent que la magie fut extraite des chimères et insufflée à des êtres humains. Alors c'est ainsi que serait née la technologie Magitech. Nous n'avons pas le choix. Nous devons nous aussi nous armer de cette technologie pour combattre l'Empire. Non! Nous ne devons pas répéter les erreurs de la guerre des Magis. Vous avez une autre suggestion? Et si nous pouvions discuter avec une chimère? Avec une chimère? C'est un plan risqué, mais puisque la chimère de Narche a déjà réagi à Terra, elle se réveillera peut-être si nous la mettions à nouveau en sa présence. Vous pensez vraiment que c'est possible? Je n'en suis pas certain, mais c'est notre seule chance. Nous aurions bien besoin du consentement de Terra. Terra. Je ferai de mon mieux. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais ça pourrait être intéressant. Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était? Bannon! Figaro Sud. Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? L'Empire a envahi Figaro Sud. Des soldats se dirigent par ici. Ils nous ont trouvés. Il n'y a pas de temps à perdre. Locke. Quelqu'un doit s'infiltrer dans Figaro Sud et faire obstacle à l'ennemi? Tu pourras profiter de tes talents particuliers. Nous comptons sur toi. Terra. Sois prudent pendant mon absence. Et surtout, prends garde à un certain roi libertin. Locke! Edgar, les mauvaises habitudes ont la vie dure, on dirait. Et qu'allons-nous faire? Nous pourrions descendre à l'été et nous rendre à Narche. Les chimères qu'il a découvertes dans la mine m'intriguent.
Entendu. Nous préparerons un radeau près de la sortie secrète. C'est dangereux, mais nous n'avons pas le choix. Cet endroit n'est plus sûr. Viens avec nous, Anarch. Ça pourrait être l'occasion d'en apprendre plus sur tes pouvoirs. Ce n'est pas le moment de tergiverser. Allons, Anarch. Par contre, la dague éolienne, je peux... Ah ! Banon est avec moi ? Ah, il est avec moi, mais c'est pas un personnage qui va rester. Puisque vous voyez que je ne peux pas voir son équipement. Faites voir cette dague éolienne, là. Ah, je peux pas l'équiper, la dague éolienne. Je ne peux pas m'équiper de la dague éolienne, d'accord. Bon. Alors, état de Banon. Il se bat avec quoi ? Un sceptre runique, donc c'est un magicien. Ok. Bon, bah, pourquoi pas, hein. Oh, c'est beau! C'est beau! Voilà, ce radeau nous transportera jusqu'à Narch. Enfin, il n'y a pas l'air d'y avoir un peu de courant quand même. Protégez Banon à tout prix. S'il périt avant d'atteindre Narch, tout est perdu. Ok. Alors, machine, tac, vu que ça coûte rien, autant en profiter. Alors, prier... Donc prier, ça permet de soigner tout le monde, je pense. Pourquoi Terra a des lunettes? Regardez! What? C'était quoi, ça? De quel côté devons-nous le... Bah, allons tout droit, écoute. Pourquoi elle a des lunettes? C'est quoi, ça? Bon, alors Jujitsu, gauche... Droite, gauche, validé. Machine, arbalète, go. Attaquer. Et toi, tu pries sur tout le monde pour soigner. Voilà, on va faire comme ça. Pourquoi elle a des lunettes? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je sais pas où je vais, mais j'y vais, hein. Qu'est-ce que c'est, ce con? En plus, les lunettes sont mal placées, c'est bizarre. Hey, ciao, bonsoir. Là, avec quelqu'un qui peut me soigner de... Ah, le niveau de Banon... Ah, le niveau de Banon, j'avais compris le niveau de bâton. Edgar augmente, c'est très bien. J'allais dire, au moins, l'avantage, c'est comme j'ai quelqu'un qui peut me soigner quasiment indéfiniment et gratuitement, au moins, je peux me permettre de faire plein de combats, ça, c'est pas mal. Alors, s'il me demande de sauvegarder, c'est que forcément, il doit y avoir un boss pas loin. Donc, fichier, hein, sauvegarder, oui. Et let's go! Allons à gauche. Je sais pas s'il y a vraiment une différence, mais. D'accord, c'est un autre point de sauvegarde. Bon, on s'en fout, je viens de sauvegarder. Oula! Tiens, je sais pas en quoi il est fait ce radeau, mais il est solide. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Un boss. Vous voilà dans le pétrin. J'ai décidé de ne pas vous laisser passer. Oh, quelle méchante pieuvre. Ouais, bah. Allez, go. Vous savez déjà quoi faire. Pas foutre rien, il doit le craindre, ça, vu que c'est un monstre d'eau. Oh, pas tant que ça. Oh, un morceau de roi. Viens que je t'en lasse, ma jolie.
Oh putain! Ah ouais! Ah ouais! Alors, objet. Queue de phénix. Non pas sur Bannon, mais sur Terra. Oula, 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 je rigolais, mais il fait mal ce boss en fait. Un gros musclé, pfff. Queue de phénix sur. Putain, sur tout le monde en fait. Ah, j'ai perdu carrément, d'accord, ok. Bon! Alors, voilà qui va compliquer les choses. Voilà qui va grandement compliquer les choses. Alors, peut-être qu'il faut pas passer par la gauche, il faut aller vers le haut, du coup. Je sais pas, on va voir. Parce que là, ouais, pour le coup, c'est chaud, hein. Allez, on va aller, non pas à gauche, mais tout droit. Terra augmente, ça c'est bien. Ah, je suis revenu en arrière là. D'accord, en fait, si on va tout droit, c'est un moyen de tourner en rond pour s'entraîner. Alors que si on va à gauche, on va au boss. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner un peu en rond 2-3 fois, histoire de s'entraîner un petit coup. Et ensuite, on remontera vers le boss. Donc c'est bien, ils ont quand même prévu un moyen de s'entraîner pour pas qu'on reste, bloqué. Ça c'est plutôt pas mal. D'autant que les monstres ici donnent pas mal de d'expérience. Donc c'est plutôt une bonne chose. Enfin, les monstres ici, c'est surtout les dragons qui donnent pas mal d'expérience en fait. Voilà. Niveau de banane augmente, c'est bien. Puis ça me permet d'avoir un peu d'argent, parce que 600 gils quasiment à chaque combat, c'est pas mal, hein. C'est tout sauf négligeable. Bon, sauf quand il y a eux, ça c'est des petits combats qui rapportent pas grand-chose, mais c'est tout sauf négligeable, je trouve. Par contre, ces lunettes, je sais pas d'où elles sortent, mais ça fait vraiment moche quand même. Allez, encore un. Allez, on va dire encore 2 tours. Et ce sera bon. D'Edgar augmente, de Terra augmente, parfait, parfait. Allez, encore un tour. Là, c'est une zone à farmage facile quand même, hein, quand on y réfléchit, parce que regardez, hein, bon, les monstres font pas vraiment long feu, vu que Bannon peut me soigner assez facilement.
Enfin, si je fais un tour et qu'il n'y a pas de combat, autant refaire un autre tour, parce que là, ça servait à rien, quoi. Allez, un dernier, et après, direction le boss. Alors j'espère ne pas perdre, parce que le truc c'est que je veux pas sauvegarder... Non mais... voilà. J'espère que ne... Enfin, que je, peux... je veux pas sauvegarder après en allant à gauche, parce que si je sauvegarde et que je suis pas assez fort, je ne peux plus... Non mais là ça fait deux tours que je fais sans combat, oh faut pas déconner. Je ne peux plus m'entraîner. Et c'est assez embêtant. Et mais là, regardez, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de combat. Eh oh! Des combats! Ah, quand même! C'est marrant parce que cet endroit-là, c'est toujours ces deux monstres sur lesquels je tombe. Bon allez, à gauche. Donc là, non, je ne veux pas sauvegarder. Là, pour le coup, c'est un piège, parce que imaginez, vous n'êtes pas assez fort, si vous sauvegardez à cet endroit-là, bah la partie, elle est foutue, quoi. Voilà, et là, j'enlève le mode automatique pour le combat. Niveau de banane augmente, très bien. Bon, pour ce combat, je peux remettre le mode automatique. Voilà. Terra devrait prendre un niveau là, non? Non, même pas. Donc oui, toi le petit poulpe, on t'a déjà vu. Oh oh oh, je vais vous manger tout cru. Da. Oui, tu as décidé de pas nous laisser passer, on le sait. Allez. Aïe. Donc toi tu vas faire de la magie du coup. Machine. Jujitsu, gauche, droite, gauche, attaquer, et toi tu pries. Voilà, ce sera à peu près le seul truc que je puisse faire, donc... Ça va, j'ai survécu. Eh ça oui, pas de pieuvre frite au menu, ah ouais. Aïe, non mais... Oh, fais chier. Si, si, il y aura de la pieuvre frite au menu, tu peux me croire, mon ami. Alors, queue de phénix sur Terra. Jujitsu gauche, droite, gauche, hop. Crier. Voilà. Aïe! Non! Ah! C'est ça les lunettes! J'étais en altération d'état, je viens de comprendre! Oh là là! Mais c'est pas vrai ça! Objet, queue de phénix sur Terra. Allez, oui, tu devrais avoir peur. Non, 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 non.
Oh putain, Banon est vaincu donc j'ai perdu. Oh là là, la loose. Bon bah, les amis, ce que je vais faire, c'est petite ellipse, le temps de m'entraîner, et je vous retrouve juste après pour le boss. A tout de suite. Re tout le monde. Alors, j'ai découvert un truc très intéressant, c'est qu'en fait, quand j'ai eu le game over, je n'ai pas perdu les niveaux que j'avais acquis précédemment. Ce qui veut dire qu'en fait, regardez, j'ai pu continuer à m'entraîner tout en conservant les niveaux que j'avais précédemment acquis. Donc en fait, je suis encore plus fort. Du coup, c'est un gain de temps, c'est pas mal. Donc, en termes de compétences, Terra, elle a réussi à apprendre du coup la compétence saignée qui vole en fait les HP d'un ennemi. Et le plus intéressant, c'est que Sabine a appris des compétences de Jujitsu, regardez. Donc il avait le point foudroyant, il a un rayon d'aura, inflige des dégâts élémentaires sacrés à un ennemi, chute du météore, soulève un ennemi pour ensuite l'écraser violemment sur le sol, et danse du phénix, inflige des dégâts élémentaires de feu à tous les ennemis. Donc je pense que pour le boss, je vais lui mettre celle-là en automatique, et ensuite on essayera les autres, voilà. Donc pour la danse du phénix, c'est gauche jusqu'à droite, ok d'accord. On va essayer ça, et j'espère que ça suffira. En fait, le seul truc, il faut pas que Badon y meure, quoi. C'est surtout ça le point critique, je dirais. Alors essayons. Là, il me faudrait un petit combat pour mettre les bons patterns, en fait. Alors, attendez, s'ils survivent... Oh putain, ça risque d'être embêtant. Non, ça va, ça marche quand même. Nickel. Alors, Jujitsu. Tac, 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 tac. Validé. Voilà. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Eh, ça fait mal. C'est marrant, c'est des ennemis d'eau qui craignent le feu. Bon, on va dire qu'ils craignent la friture, quoi. Alors. Ouais, non, là, ils vont tous mourir. Donc, en fait, je voulais essayer de mettre le sort brasier à Terra dès maintenant, mais... ils vont tous mourir grâce à la danse du phénix. Et on arrive au boss. Oui, allez, là, 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 là. Alors, cette fois, il faut essayer de pas se tromper. Oui, tu es une méchante pieuvre. Allez, hop. Donc, magie, brasier, machine, arbalète, jujitsu, tac, 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 tac. On valide et prier. Voilà. Ah, ça fait mal, hein? Si, si, des pieuvres frites au menu. Un petit coup de soin sur tout le monde. Ok, survie mieux que tout à l'heure, c'est nickel. Oui, je sais, tu vas me faire encre, c'est pas grave. Cette fois, je survis. Et normalement, après, il lance prière. J'aimerais bien que Terra survive. Allez, allez, allez. Prier. Ouais, nickel. Nickel. Si, si, tu seras frite. Y a pas moyen. Un gros musclé. Ouais, vas-y, tentacule. Survie aussi, nickel. Ah, ça c'est nouveau ça. On dirait qu'il l'a compris. Je n'en suis pas si sûr. Il attend peut-être le moment propice pour remonter à la surface. Ah, ma jambe. Terra, attention. Nous devrions pouvoir continuer. Assez plaisanté. Je vais lui donner le coup de grâce avec une technique de Jujitsu. Non, Sabine. N'essaie même pas de m'arrêter, Edgar. Il a toujours été comme ça. Sabine. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. En êtes-vous sûr, Benon? Vous êtes son frère. Vous devriez le connaître mieux que quiconque.
Vous verrez, il nous rejoindra en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Effectivement. Il a toujours eu un trop-plein d'énergie. Ah ! Sabine ! Sabine ! Bonne chance ! Bon. Sabine ! Ah, il faut l'attraper ! Non, par là-bas ! Edgar et Terra essaient toujours d'atteindre un arche, tout en protégeant Bannon. L'impétueuse Sabine a été emportée par les flots. Locke est sur le point de s'infiltrer dans Figaro Sud. Que leur réserve le destin ? Nous le saurons. Ah ? Choisissez un scénario. Ah d'accord. Ah d'accord, je peux choisir... Ouh là là ! Ah ça c'est nouveau ça ! Ah je sais pas. J'aurais bien aimé vous demander dans les commentaires, mais malheureusement, je peux pas vous demander parce que il faut que je tourne l'épisode d'après. Sinon vous allez pas avoir d'épisode. Donc je ferai un choix. Ben pour le coup, écoutez, on va s'arrêter ici et on fera le choix dans le prochain épisode. Salut tout le monde.